Anna Besson, flûtiste. Et je suis au Festival de Saintes cette année. Alors j'ai joué hier soir pour le bal traditionnel. Donc j'étais sur la flûte moderne et la flûte en bois irlandaise. Et donc aujourd'hui, je viens de finir un concert avec le quatuor Nevermind. Et j'étais sur mon traverso, donc musique baroque. Professeur de trompette et de solfège dans les écoles de musique dans le sud de la France. Donc, je suis née à Perpignan et il dirigeait l'école de musique de Saint-Cyprien et Saint-Estève. Et donc lui-même est trompettiste. Donc effectivement, et puis ma mère a fait du violoncelle en amateur. Donc j'étais vraiment, j'ai béni dans un environnement musical, j'avais une grand-mère danseuse. Donc ça a été assez propice à mon choix de vie. Des mails qui disaient voilà, on a qu'à se faire, on aime bien jouer ensemble, formons un quatuor. Et ça date de 2013. Avec le quatuor avec qui je viens de jouer, Nevermind, on a pas mal d'anecdotes en général, avec beaucoup de fou rire sur scène. On est très amis en fait, et du coup, que ce soit en répétition ou en concert, on s'écoute beaucoup, on travaille tout le temps tous les quatre ensemble, on n'est pas interchangeables comme dans certains ensembles. Ce qui fait qu'on est vraiment très proches, et ça peut amener quelquefois certains fou rires sur scène. Choix en fait c'était la harpe. Je rêvais d'être harpiste, sauf qu'il y a eu plusieurs raisons pour ne pas choisir la harpe, notamment financière, parce qu'au départ il faut pas acheter qu'une harpe, il faut acheter plusieurs harpes, d'abord une celtique qui soit plus petite, puis on passe à la grande harpe qui est quand même extrêmement coûteuse. La harpe se transporte dans une voiture aussi taille conséquente, donc voilà, c'était un peu compliqué. Et mon deuxième choix était la flûte traversière. J'étais tout simplement allée écouter un orchestre symphonique et j'ai adoré le son de la flûte. Et donc, je suis quand même très contente d'avoir fait ce choix, puisque ça me permet d'avoir 5 ou 6 flûtes dans le même sac à dos et de voyager partout, incognito.